Et salut tout le monde! Vous êtes en ce moment dans l'épisode 30 de Donkey Kong 64. Et on va commencer tout de suite par ça. Il doit se tuer la tête à chaque fois qu'il fait ça. Lui. Alors ça ouvre cette porte, donc bah écoute, hein, ça m'a l'air assez évident. Alors par contre, c'était mon cauchemar sur console ce truc. Oh, dans l'absolu c'est facile hein, suffit d'aller là quoi. C'est tout. Eh ouais. Il me semblait qu'il y avait un tonneau. Bon, peut-être pas après tout. Bon, on en a pas vraiment besoin, si. Ah, je l'ai raté en fait, ok. Non, c'est pas par là. Fuh. Non, attends, non. Je vais trouver. Je vais me venger de toutes ces années passées sur console où j'arrivais pas à faire ce truc. Et bim, direct. En fait, c'est facile. Tout simplement. Oh oui. Alors non seulement ça ouvre la porte de sortie, mais en plus, chose tout à fait intéressante, ça fait apparaître ça. Eh ouais, la reine de bataille, elle est carrément dans un labyrinthe des ténèbres. D'ailleurs je vais le fouiller un peu, voir s'il n'y a pas des bananes en plus. Parce que bon, hein, c'est pas pour dire, mais je vais en avoir besoin de beaucoup dans ce niveau. Donc, parce qu'à la fin, les deux cons qu'il faut nourrir, il en faut 400, hein, je crois. Putain, mais en fait, ouais. Ouais, c'est vraiment que des cul-de-sac, les autres. Par temps, c'est normal, c'est un labyrinthe. Mais bon. Attendez, avant tout, je vais fouiller un peu le labyrinthe, je vais voir s'il reste des bananes, finalement. Je me rappelle pas qu'il fallait juste suivre les bananes, quoi. Ça me paraît débile. Enfin, en même temps, c'est débile. Mais bon. Allez, des pièces, ouais, c'est pas très primordial non plus, ça. 88 pièces, qui me servent d'ailleurs plus à rien. Ah si, oui, ouais, enfin non, en fait. Oui, donc ça, c'est l'entrée. Ah, le tonneau était là, en fait, d'accord. Bon, on va retourner par là. Ouais, s'il y avait un tonneau pour aller plus vite dans le labyrinthe, en fait, pas besoin, quoi. Ok, bon, bah, l'arène de bataille, elle est là. Ben, soyons fous. Je parie qu'il va y avoir des squelettes. Et c'est le délire débile. Bon, bah, j'avais pas tout à fait tort, hein. 78 secondes, la vache, c'est mort de fucking long. Et bim, toi t'es mort. Ouais. Je sais pas si je pourrais le faire. Ah merde, 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 non. Ah putain, merde, non, non. Ah non, putain, mais. Ah, salopard. M'en fous, j'y retourne. Ouais, en fait, faut les avoir d'une manière coordonnée dès le début, quoi. Alors, le petit défaut de cette épreuve, c'est que c'est forcément avec l'Anki. C'est vraiment le seul défaut, quoi. Si ça passe vite, c'est con. Bande de trous du cul de sa mère. Putain, tu m'as eu, mais cette fois, je t'ai eu. Brutille. Donne-moi les plans, et c'est tout, merde. Fais pas chier dans les arènes de combat, quoi. Puis donne-moi de la pastèque, toi, bordel. Non, mais à part ça, tout va bien, hein, je veux dire. Oh, merde, merde, merde. Non, 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 putain. En plus, l'Anki va être des kilomètres, donc quand il se fait toucher, c'est chiant. Hein. Bon, encore 37 secondes à tenir. I can do it, motherfuckers. Oh, non, 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 mais non. Putain, du coup, ça l'a pas... Comment j'ai fait pour pas faire toucher, là? Je comprends vraiment pas. Ça me met dans la merde tout ça. Oh, je vais pouvoir le faire. Crève, crève et recrève. Triple crève, quoi. Non mais deux fois. Et mouvement du swag des ténèbres. Oh yeah, bitches. Ah bah ça nous fait une couronne tout ça, c'est très très bien. D'ailleurs j'avais oublié de le dire dans les cavernes, dans le truc de cristal, mais les couronnes, elles ne servent strictement à rien. Ah, attends, vu que le tonneau est là, la sortie doit être par là. Bon, on va retrouver la sortie une deuxième fois, hein, juste pour mettre le guac encore plus au labyrinthe. Allez, voilà, bon, easy quoi. Des pellicules, j'en ai pas besoin. Bon. Voilà, donc ça c'est fait, hein, je veux dire, pff, facile quoi, genre. Ah, tu sors derrière, d'accord, bon.
toi tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. C'était quoi ce bruit? Ah non, c'est la porte qui se referme, d'accord. Je me disais, ça fait bruit inhabituel là. Alors là, il y a la salle de bal qu'on va faire, ouais, on peut le faire, mais on va la faire juste après un truc avec Chunky. J'aime bien l'appeler comme ça, ça fait déjà qu'il est débile, ça fait, ça rajoute. En fait, cette porte en bois, c'est con, mais je crois. Hein. Non, il me semblait bien. Je suis pas non plus complètement fou, quoi. Alors là, il y a des chauves-souris. Ah, on peut pas les... D'accord. Et là-dedans, il y a ça, ben... Voilà, maintenant, faut... Maintenant que je suis invisible... C'est débile. Il faut que je les tue, donc... J'étais sûr que le triangle, ça marchait. Merde. Bon, bah tant pis, hein. Ah, parce qu'ils... Oui, parce qu'elles peuvent quand même me voir, évidemment. En fait, l'invisibilité sert à rien, en fait, hein. Allez, crève. Ah, vu la musique, je suis plus invisible. What the fuck, dude? Alors, attends. Il en reste une, là? Je la vois même pas, attends. C'est quoi ce... Ah! Si, je viens de comprendre. Voilà. Faut que je sois invisible pour voir les chauves-souris que je voyais tout à l'heure très bien en étant visible. Normal. Allez, voilà, c'est bon, t'es morte. Et pouf, la banane! Oh yeah, bitches! Et première banane de Chunky dans le niveau! Tout est sous contrôle. Donc alors... Allez, hein. Ouais. Ça fait donc 40. Il y avait des balles ici, ouais. Okay. Cool. Enfin, des balles. Des ananas rouges à tête chercheuse. Rien de choquant, quoi. Et ouais. Alors, on va retourner là-bas. Parce que maintenant, c'est la salle de bal. C'est la salle de trou de balle. Oh, lol. Mais avant, on va faire une pause. Et moi, je vous retrouve après le blind test. Ah, ça va, il était facile. Ouais, Chunky l'a trouvé, vous voyez. Bon alors, Diddy Kong, donc. Vu que lui seul peut pénétrer dans la salle de bal. Putain, ça faisait longtemps. En plus, c'est vrai, c'est pénétrer qu'on dit, merde. Ah oui, la musique de la salle de bal. Ah, elle est trop géniale. Non, toi t'es mort. Faudrait que je fasse gaffe aux cristaux, quand même. Donc ça servait à rien de le tuer, lui. Et donc voilà, tout bêtement. Et puis, pourquoi j'ai dépensé un cristal? Putain, je suis con. À la salle de bal. Tout simplement, quoi. Et y a pas mal de monstres en train de danser, déjà, hein. Oh, vous allez danser sur du métal! Parce que moi, je suis pas du genre à me faire chier, vous voyez. On l'a crevé tous. Et faites apparaître le jetpack! Ah, c'est con, hein! Mais il y a des bougies dans la salle, c'est exactement comme l'autre. Oui, j'ai compris qu'il y avait 3 bougies, oui, j'ai bien vu, oui. Tu vas me laisser jouer, oui. J'adore cette musique. Et d'une. Et bientôt deux. Ouh la vache. Et 3. Alors on va rester en jetpack parce que ça fait apparaître un tonneau en fait cette histoire. D'ailleurs il y a un ballon là si je peux éventuellement. Connard de ballon, merde. Bon on verra plus tard. On va rentrer dans le tonneau et on va prier pour que ce soit pas Castor Crétin. Même si bon forcément. Alors excusez-moi pour ce petit malentendu. Avant que ça crache donc, cela ça vient de cracher. Je disais donc qu'on va rentrer dans ce tonneau et que j'espère que c'est pas Castor Crétin même si je m'y attends.
Voilà. Oh putain, merde. Ouh la vache. Oh le chambou chariot. Ah, je m'y attendais pas à celle-là, c'est pas gentil. Ok, bon, bah tant pis. Je vais sauvegarder ici, juste au cas où, mais vraiment au cas où, quoi. Je veux ma musique, bordel. Voilà. Alors comment ça se joue, ça? D'accord. Ah, c'est Z, ok. Mais, putain, je voulais pas aller à gauche. Ça remarque, ça peut le faire, attendez. Eh, merde. Non, ça l'a pas vraiment fait, hein. Bon. On va la refaire, c'est pas grave. Mais en même temps, il est allé à gauche, et j'avais le doigt sur droite, quand même, hein. Donc, bon. Éviter les chariots, oui, bon, on a compris les règles. Et pourquoi la musique, elle vient jamais, c'est chiant. Voilà, monte. Ensuite, freine, ouais. Pas trop, quand même. Voilà, maintenant, freine à mort. Et je vais me faire enfler, là. Oh, putain, attends. Oh, genre... Ah, m'énerve tes preuves. Alors... Oui, je sais, merci. Je vais finir par y arriver. Putain, il y a une technique, vous voyez. Une technique, il n'a pas de... Bon, déjà, on remet la musique, comme d'hab. On commence à être habitué à la manœuvre. Ok, c'est pas mal. Ça s'annonce pas mal. Après, il faut voir ce qu'il fait l'autre. Putain, j'arrête dessus. On va juste... Mais... Putain, mais va à droite. Ouh, ça va pas le faire, ça, Diddy Kong, ça va pas le faire. Mon dieu. Alors, on recommence. Oui, blablabla, bla, bla, c'est bon, on a tous eu le temps de dire 8 fois. Ah, il y a de la musique cette fois, tiens. Cool. Voilà. Putain, ouais, c'est ça. Alors. Là, va falloir être précis. Maintenant, freine. Ça le fait moyen, ça, non? Quoique, non, ça le fait, en fait. Ouh la vache, petit lag. En fait, ouais, maintenant qu'ils se suivent, c'est facile. Oh putain, Avast! Attendez. Mais non, putain! Attendez, j'ai une fenêtre Avast devant ma gueule! Ah, oh, bordel de merde! En plus, non, je m'en branle! Voilà, bon. Putain. Chamboule chariot, chamboule ta mère, ouais! Bon. Reprenons. Dans le calme et la bonne humeur. Et la musique, bordel. Enfin, j'ai la technique maintenant, c'est bon. Ça va le faire. Oui, c'est vrai, là, faut foncer. Mais non! C'est un échec, cet épisode-là. Ah là, c'est un échec total, l'épisode. Allez, bouge-toi le fion. Bon, il y a la musique. Tout va bien. Tout... Comme... Non mais, hé... Hey. Bordel de merde, ce mini-jeu ne marche pas. Bon. C'est pas possible. Oui, je sais, merci. Bon, on va remettre la musique, donc. C'est bizarre, quand même, ce bug. Alors là, on freine un peu. Voilà, on va à droite. Là, on fonce en allant en haut. Ensuite, on refonce, parce que l'autre, il va me niquer, sinon... C'était pas bien prévu, ça. Eh, merde. Ah non, quoique non, c'est parfait. Je vous avoue vraiment que je suis pas tranquille, là. Je suis mort même en fait. Bon bah tant pis. Bon, j'essaie une dernière fois, sur caméra je veux dire. Parce que bon, ce mini-jeu, vous l'avez déjà vu, il est pas très... il est pas très fun à filmer, je dois l'admettre. Mais c'est pas grave. On fera avec. Ah, remarque, ils se suivent, là. Ah non, ils se suivent pas. Ok. Quoi que si, ils se suivent, là. On est pas mal, là. Putain, y'en a un qui lag, c'est horrible. Bon, bah, vu que vous vous suivez, les mecs, hein, ça va être facile.
Il suffit que les touches merdent pas maintenant. Hi guys! Et hop là! Alors est-ce que je peux tenir 20 secondes juste comme ça? Oh merde, attends, l'autre, il le suit plus là. Putain, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde, je suis dans la merde! Eh merde! Putain! Oh, j'étais sûr de... Bon, vous savez quoi? Je vais le faire hors caméra celui-là. Et bah, je vous retrouve après, hein? Voilà! Ah bah, pile au bon moment, dis donc. Bon, j'ai enfin réussi au bout de genre 4 ou 5 tentatives, quand même. Tiens d'ailleurs, on va essayer de l'avoir ce ballon maintenant, voilà. Parfait. Et là, vous pouvez vous apercevoir qu'en bas, il y a un Sock Portini. Bah, je vous propose même de continuer par ça. Alors bon, c'est chiant le crash là. Putain, j'espère que ça va pas faire ça souvent quand même. Alors, on va donc prendre Tini, vu que la porte reste ouverte en fait. Il suffit de changer ici, de mettre Tini et de rentrer dedans. On peut mieux y aller avec n'importe quel autre Kong. Sauf qu'avec les autres, ça sert à rien. Quoique non, on va prendre des cristaux parce que je crois que j'en ai besoin. Il va pouvoir se faire. Ah, le jeu ce soir, il est pas avec moi. Hein. Oh putain. Ouais, prends ça, espèce d'interrupteur de merde. En fait, Didi n'aime pas sa tronche. Il piétine sa propre tronche. Et on va rentrer avec Tini là-dedans. La salle de bal. On va danser. Et sous les étoiles. Ça veut rien dire. Bon. Non, tu sautes. Tu sautes et tu passes. Voilà. Alors je crois qu'on est sur le socle. J'aimerais avoir une caméra potable. Voilà. Attends, faut que je prenne les pièces. Et là, téléportation. Alors nous voilà donc dans le musée en fait, avec une fée. Donc vu qu'il y a une fée, on va tout de suite aller à la prendre en photo. Et je vous avoue que je me rappelais pas qu'il y en avait une là. Bon, tant mieux, hein. Oh putain. Ah elle est, elle est plus chiante que dans la caverne celle-là. Yes, je l'ai eu. Donc ça c'est fait. Et en fait, d'accord, ok. Allez vas-y, booste-moi, ça fait toujours du bien. Oh yeah. Et je vais commencer par ça. Voilà, je suis juste en face. Et, ah bah tiens, ça tombe plutôt bien. Voilà. Ça, si mes souvenirs sont bons, ça ne sert strictement à rien d'ailleurs. C'est juste pour des bananes, bon, admettons. Alors on va faire une banane bien marrante. Dans cet épisode. On va donc se miniaturiser pour rentrer dans cette petite, ce petit bâtiment miniature là. Vu que c'est un musée, donc forcément c'est une attraction, vous voyez. Oh, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Moi. Et oui, c'est la course du niveau. La revanche de la voiture. C'est pour ça que j'y avais dit adieu à cette voiture, mais en fait non. Hein. Et youhou. Alors on peut plus tricher par contre. Mais d'accord. Mais la course est marrante. Puis il y a deux tours, donc c'est pas très grave. Alors il faut passer toutes les portes, c'est exactement comme, comme dans le galion. Même principe, sauf que bah c'est pas un fuck, hein. Et que je suis une bagnole, accessoirement. Oh, je fais l'intérieur. Il a pas passé la porte, monsieur l'arbitre. Ah, oh, connard. Oh putain, merde. C'est pas évident, hein. Bon, les 10 pièges, je les ai, ça c'est bon. Mais par contre, faudrait que je passe devant. Donc alors, attends. On va se concentrer 2 secondes. Ah là je vais pouvoir faire l'intérieur. Oh oui, ce virage de ouf. L'esprit de Schumacher dans la bagnole. Allez, deuxième tour. Oh merde. Ah, on peut rater les portes. Ah oui, donc c'est vraiment comme le galion. Ah, c'est intéressant. Je peux rater 2 portes bien chiantes du coup. Faut voir. Alors déjà je vais faire l'intérieur ici encore. Avec un dérapage super bien contrôlé. Oh. Bon par contre je m'attendais un peu à le doubler mais... Petit grattage de nez express. What, c'est quoi? Fuck that shit. Oh, 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 je suis devant. T'es guaqué. Tu l'as dans le fion. Oh, tu l'as dans le pot d'échappement même, je dirais.
Et oh là là. Et voilà, je suis le vainqueur et tu es le loser. Oh, cette voiture de course, c'est la voiture de course la plus malchanceuse du monde. Et nous voilà donc. Sniff, c'est pas juste, tu n'as pas... voilà. Et... en gros, c'est voilà, t'as gagné, tiens, prends ça et casse-toi. Ça fait déjà 3 bananes pour Tini, et en plus, elle a son plan. Et la banane qui lui reste, elle... laissez-moi réfléchir. Oui, si, je visualise. Alors, retournons dans la salle de bal, vu que bah, ça s'est fait, hein, je veux dire. C'était un bon moment, hein. Moi, j'ai bien aimé. Et on va bah, sortir de là, hein, tout simplement. La salle de bal est entièrement finie, on n'a plus besoin d'y foutre les pieds, donc... bonne chose de faite, quoi. Ouh, salaud, t'as failli m'avoir. Alors, est-ce que j'ai besoin de... non, peut-être pas. Hein. Bon, on va garder Tini, dans le doute. On va aller voir ce qu'il y a plus haut. Et on va prendre... ah, merde. Non, ça va. Ah oui, il y a la librairie ici. Alors, je sais plus si on peut le faire. On va tenter le coup. On va donc... c'est tombé sur un tonneau. Oh, putain, c'est loin. Hein. Bon, on va regrimper au sommet. Il y a un tonneau pour changer de Kong. J'ai pas le choix, hein, vous voyez. Moi, je veux bien éviter les trucs comme ça, mais... même dans un épisode 30, on peut pas. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est le château Chocotte, c'est le château chiant plutôt, bah. Donkey Kong. C'est ton heure de gloire, mec. Même si c'est un peu ton jeu de gloire, mais enfin. Alors, on va descendre, puis on va retourner donc à la librairie. Ici, quoi. Enfin, cette porte, hein, vous savez pas du tout que c'est la librairie. Bon, maintenant c'est. Non, je me rappelais pas de ça. Bon. Donc j'ai 20 secondes pour aller là-bas. Ça fait court 20 secondes. Ça fait court 20 secondes avec cette caméra de merde. Voilà. Alors, bienvenue dans la librairie. Enfin, la bibliothèque, si je veux être bien précis. Et ça commence mal, il y a des chauves-souris. Bon, bah tant pis. Alors, oui, on va... qu'y a-t-il à droite, pour commencer? Un cul-de-sac. Oui, je vois le truc. Je vois le délire, oui, tout à fait. Hop là. J'aime bien cette musique. Et là... ah oui, c'est vrai. Alors là, il y a une grosse bibliothèque qui vient et qui ferme la porte. Bon, pas se faire chier, hein. Je veux dire, c'est des castors, hein. Moi, c'est bon, j'ai arrêté. Ah, il y avait aussi des squelettes. Bon, bah, tant pis, hein. Vous êtes tous morts, voilà, c'est fait. C'était difficile, dis donc. Et ça fait apparaître ça. C'est assez simple. Et bah allez, hein. Bravo. Et ça ouvre ça. Enfin, ça dévoile ça, en fait. Bah, on va y aller. Alors, hop là. On va y aller en roulant, vu que ça va un peu plus vite. Et que ces couloirs sont un peu longs et vides, hein, quand même. Oula. Ah, des cristaux, ça m'intéresse. Oui, c'est vrai que j'ai photographié une fée il y a pas longtemps. Alors, je sais pas vous, mais ce livre, moi, il me rappelle vachement Chito dans Banjo-Kazooie. Alors après, c'est peut-être pas lui, mais c'est peut-être un clin d'œil, éventuellement. Bon, enfin, ici, il y a ça, pour pouvoir passer sereinement. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'ils l'ont prévu, le truc. Alors, est-ce qu'ils avaient prévu, par contre, que j'essayais de choper les bananes? Parce que ça va m'en faire 65. Putain, bande de livres à la con, barrez-vous. Oh, dans la roulade. Yeah. Bon bah ça c'est fait. Allez. Ça va juste ouvrir ça. La porte vraiment invisible, tu sais. Et on va pouvoir sortir. On va pouvoir sortir par bah, la sortie qui était juste devant l'interrupteur. Voilà, alors je vais faire un peu... je vais faire une petite pause histoire de savoir à combien de temps j'en suis. Bon, bah figurez-vous qu'en fait c'est la fin de l'épisode. Donc moi je vous dis salut à tous, portez-vous bien, mouvement des ténèbres, et noix de coco dans ta gueule. Non, sans blague, joyeux Noël quoi, merde, vous avez compris quoi.